Bonjour, docteur Goldman, je suis psychiatre, donc j'ai longtemps travaillé en exercice mixte entre l'hôpital psychiatrique et mon cabinet. J'ai maintenant quitté l'hôpital depuis 3 ans, vraiment atterrée par la suradministration, le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de psychiatres, la perte de chance pour les patients. Je suis maintenant retraitée active, ce qui veut dire que je cotise à perte à la CAF, ce qui n'est pas du tout attractif d'un point de vue économique, mais que je peux considérer comme une solidarité pour les futures générations. Je veux vous alerter sur cette réforme qui va capter nos réserves de 7 milliards et demi, qui va baisser les pensions de 30%, et si vos cotisations baissent, sera largement compensée par une augmentation des impôts. Donc j'étais dans la rue le 16 septembre avec le collectif retraite et l'UFMLS dont je suis la vice-présidente. J'étais dans la rue le 30 novembre avec l'hôpital que je considère comme toujours ma famille. J'ai fait grève le 3 janvier, le 6 janvier. Donc je pose la question à cette profession de médecin. Sommes-nous des moutons, des autruches? Sommes-nous en plein masochisme? Alors je vous demande de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard et de faire grève à partir du 3 février.